D'abord comique paysan, Ouvreur invente le genre comique troupier à l'époque de la République des Ducs. Il est l'auteur d'environ 800 chansons. Comique troupier, paysanne, grivoise, Éloi Ouvreur rédige des articles pour Les Coulisses et le journal de Bergerac, republié dans son autobiographie de 1924, ainsi que deux livres, La vie au café-concert, 1894, et Elle est toute nue, La vérité sur la vie des coulisses, 1928, marié avec la chanteuse Fernande Kainon, qui chanta ensuite sous le nom de Madame Ouvreur. Il est le père de Gaston Ouvreur ou Ouvreur fils, également auteur-compositeur-interprète.